Les concurrents de la Transorientale ont quitté le Kazakhstan pour rejoindre la Chine. Après la longue spéciale d'hier, 82 km attendaient les pilotes camions, auto et moto. Dans cette catégorie, le nom du premier vainqueur de la Transorientale devrait se trouver dans le trio de tête qui a trusté les victoires Scratch. Kolomitsyn y croit encore, il gagne aujourd'hui devant Katrinak et Ulva Setter. Le russe reste troisième à plus d'1h20, mais à l'approche des dunes chinoises, tout reste possible. Et de 2 pour Delecour, l'ex-pilote WRC se plaît de plus en plus dans le monde du rallye raid. Deuxième victoire pour Delecour devant l'allemand Kahl et Vigouroux qui connaît enfin une première journée sans problème. Delecour et son buggy SMG arrivent en Chine avec une nouvelle victoire d'étape. Ce matin encore une intense scratch, tant mieux. On a vu rapidement un camion de Roy qui était un petit peu tanké dans des espèces de marécages. Donc derrière on a une route en fait très propre, pas de poussière, rien du tout, on n'a pas rattrapé les motos et on a pu se concentrer avec Jean-Pierre vraiment sur le roadbook et moi le pilotage et on n'a pas commis d'erreur ni l'un ni l'autre, lui il a été parfait de ce côté-là aussi et forcément ça a fait un bon temps. Frayeur pour le leader des autos, l'espagnol Monterde, au passage d'un guet, mais heureusement Gérard de Roy passait par là. Quand le premier du classement général auto se fait dépanner en spécial par le premier du classement général camion. C'est ça aussi l'esprit de la Transorientale. Pendant qu'il jouait les bons samaritains, De Roy laisse la victoire d'étape aux mains de Hans Stassé. Mais le Hollandais conserve la tête des poids lourds avec 33 minutes d'avance sur Stassé. Bon, c'est very nice stage to do. Like a lot of more stages in this rally. I'm very impressed by the sort of stages we have to drive. This morning I started maximum. I wanted to catch up De Roy, but at one time he was stuck in the mud, so I slowed down just to stay on the road and don't make any mistake. I didn't know at that time what problem he had or how long, so it should be very stupid to go maximum and go off. So I tried to get to the finish in one piece. Schön situation. Demain, première spéciale en Chine et l'apparition des premières dunes. À demain.